pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Christ, la pierre angulaire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom, shalom, shalom. Nous sommes donc dans notre émission Prière mode d'emploi simple. Et aujourd'hui, nous allons faire la prière, mais je vais lire quelques passages avant. Le sujet de prière d'aujourd'hui sera sur les âmes qui se sont refroidies, les âmes qui étaient dans le Seigneur pour X raisons, qui sont retournées dans le monde, qui se sont refroidies. Comme dans le livre de Luc 15, l'enfant prodige qui est parti et qui revient au Père. J'aimerais que nous prions pour que ces âmes reviennent au Père. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet sera sur les bénédictions cachées ou volées. Les bénédictions, nos bénédictions que l'ennemi, à travers certaines personnes ou certaines situations, a bloquées ou enfouies ces bénédictions. Donc, ça sera une prière d'autorité pour aller arracher ces bénédictions, pour les sortir de là où ils ont été cachés. Alors, je vais avoir quand même deux passages bibliques à lire. Nous allons lire dans le livre de Job, Job chapitre 20, verset 15. C'est donc une prière d'autorité où la parole de Dieu dit « Il a englouti des richesses, il les vomira. » C'est un ordre. « Dieu les chassera de son ventre. » Donc c'est le verset 15 dans Job 20. Ça sera pour la partie où nous devons aller arracher, récupérer les bénédictions enfouies ou les bénédictions cachées ou volées des enfants de Dieu. Ensuite, nous pourrons lire dans Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Là, tout simplement, en fait, j'ai voulu illustrer par cette parole pour dire que avant que les choses se manifestent matériellement, physiquement, qu'on les voit, on doit les réclamer spirituellement. Et spirituellement, c'est invisible. Donc, nous devons vraiment prier, demander à ce que ça vienne, que ça arrive avant que ça se manifeste. Nous devons le demander dans la prière. Je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, je viens te remettre ce moment de partage entre tes mains, Papa. Seigneur Jésus, puisse bénir ce moment de prière, puisse toucher les auditeurs ou auditrices qui vont suivre cette émission. Seigneur, touche-les dans leur vie. Visite-les, Seigneur. C'est pour ta seule gloire. Je m'abandonne entre tes mains comme simple instrument. Que tu m'utilises pour les toucher dans leur foyer, pour les toucher où ils sont, dans le travail, où ils voient cette émission, Seigneur Jésus, qu'ils sachent s'approcher de toi. Je te remercie, je remets l'équipe de tournage entre tes mains. Je me remets moi-même entre tes mains comme simple instrument. Et je te dis merci pour le souffle de vie. Merci Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que tu sois glorifié à jamais. Et je dis au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, j'ai ainsi prié. Je dis Amen, Amen, Amen. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Je commencerai par un témoignage, un court témoignage. Quand vos bénédictions sont enfouies quelque part, il faut de la force, il faut une prière d'autorité. Il ne faut pas une prière toute simple, toute douce, parce qu'il faut aller l'arracher dans le camp de l'ennemi pour récupérer ta bénédiction.